Coucou. On va aller voir ce que veut la personne de ton cœur, ce qu'elle souhaite et surtout ce qu'elle ressent par rapport à toi. Voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. En tout cas, on te dit qu'elle ose parler enfin. Elle va libérer ce qu'elle n'a pas réussi à dire jusqu'ici et on te parle clairement de communication. Allez, on va aller voir comment ça bouge et ce qu'elle veut. Il y a eu beaucoup de peine là ces dernières semaines. Il y a eu beaucoup de choses et il y a eu vraiment cette envie. Je ne sais pas si elle n'était pas même pas partagée du fait que j'ai envie d'arrêter tout ce qu'on met en route parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est pour ça que, tu vois, elle te dit que là, ça c'est aujourd'hui, ça c'est avant. J'ai envie de revenir à une communication, je vais oser te parler parce que j'ai pas envie, j'ai pas du tout envie que nous, ça puisse se terminer comme ça. Vous avez passé une crise ou vous êtes actuellement même en crise. Et c'est toi aussi qui te mets dans ces doutes et tu sais pas vraiment si vous pouvez continuer à avancer ensemble sur le même chemin. Mais on te dit qu'il faut que tu fasses confiance. Fais confiance à ce qui résonne en toi parce qu'on te parle clairement de réconciliation. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous traversez une crise qui vous met énormément de peine. On parle de difficultés à manger, de difficultés à dormir, beaucoup de choses qui traversent l'esprit. Voilà, on sent, mais il n'y a pas que toi, il y a aussi la personne de ton cœur. Et regarde, malgré tout, on sent que vous êtes attirés l'un à l'autre comme des aimants, malgré les trahisons qui ont pu être commises à un moment donné. Je pense que cette crise existentielle, elle vous permet aussi de dépasser des blocages que vous avez pu rencontrer l'un par rapport à l'autre. Et clairement, il ou elle va revenir à de la communication pour te dire les choses avec sincérité. Je vais enfin te dire ce que je ressens pour toi. Bah ouais, parce que tu voulais savoir s'il y avait de l'amour. Clairement, moi, je te dis que oui, il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Et on te dit clairement que tous les espoirs sont permis.